Bonsoir Montréal Python. Good evening Montreal Python. Pythonneux, pythonneuse, ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir. I'm live from Utah tonight, but I'm with you in heart because I managed to find, by looking really hard, a Blanche de Chambly. So I'm gonna open it now and transport myself to Montreal with this delicious beverage. Oh, I'm excited about this. So this is our first meeting of the year, notre première rencontre de l'année, Montréal Python. J'espère que vous avez pris des résolutions et que vos résolutions ont rapport au Python. I'm pouring it now, as you remember, I hope. Blanche de Chambly is very, very rich. Aroma of coriander. Oh mon Dieu, je me sens transporté. Vers une contrée lointaine qui apprécie le Python. Notre programme ce soir, je vais vous en parler dans un instant, mais avant de vous parler de ça, oh, je fasse un petit truc ici, boum, avant de vous parler de ça, il faut que je vous invite à vous joindre à nous sur Slack. So please join us on Slack if you haven't received the Slack invite yet. It is mtlpy.org/fr, and I'm told /en works too. /slack in, and we are in the channel meeting. Donc, joignez-vous à nous sur Slack, mtlpy.org/fr/slackin. On est dans le canal meeting. Et on a un code de conduite à Montréal Python. We have a code of conduct at Montreal Python. It's very simple. It says that you should be excellent between one another. Le code de conduite dit qu'on devrait être excellents les uns envers les autres. Si vous sentez que la rencontre n'est pas excellente, qu'il y a peut-être un manque de respect, quelque chose qui sort définitivement du code de conduite, dites-nous-le. Soit à moi, Yannick, ou à Duc, ou à Mélanie Guérin sur Slack. Trouvez-nous, on va vous régler ça le plus tôt possible. So, if something is not excellent in this meeting tonight, find me, Yannick, or Duc, or Mélanie Guérin on Slack, and we will do our best to resolve that problem quickly. Okay, so this is our program for tonight. It's going to be pretty exciting. We're going to have three captivating presentations. Francis Vachon is going to talk about the module of the month. And then Edith Viau is going to talk about learning Python. And then Huyen Tran, I hope I said this right. I'm going to practice a couple more times before we get to her presentation, is going to talk about learning data science. On va avoir trois présentations. Donc, Francis Vachon, le module du mois, Inspect. Et Edith Viau, apprendre Python. Et Huyen Tran, qui va nous parler d'apprendre les sciences de données. Donc, pourquoi on parle d'apprentissage comme ça? Bien, parce que c'était notre résolution pour 2021. Est-ce que vous avez pris des résolutions pour 2021? Dites-nous-le sur Slack, ça nous intéresse. Complètement délicieux. Je ne vais pas dire que c'est délicieux à chaque gorgée, mais je vais le dire encore pour trois ou quatre gorgées. Quoi d'autre? On a quelques autres choses. On a déjà la date de notre prochaine rencontre, qui va être en février, sous le thème de l'amour, bien sûr, le 15 février, le lendemain de la Saint-Valentin. Et on a déjà le lien sur Meetup si vous voulez vous inscrire. C'est dans la description du canal YouTube. Et laissez-moi revenir en arrière un petit peu. J'ai oublié une chose très importante, c'est qu'après ces présentations captivantes de ce soir, on va avoir un 5 à 7 virtuels, donc j'espère qu'il va me rester de la bière pour ça. Sinon, je vais devoir me contenter d'autres breuvages. We're going to have a virtual happy hour after all these interesting presentations. We're going to go on Jitsi, where we can see everybody's faces, and hopefully you can bring your favorite snack or beverage or whatever, and we're going to have a lot of fun talking about what our resolutions for the new year are. Okay, let's go back to what I was saying. MP983, Minimal Night, Nuit Minimale, notre rencontre de février. Le lien Meetup est dans la description, de ce vidéo sur YouTube que vous êtes probablement en train de regarder. Et on vous invite, si c'est des choses qui vous intéressent, à nous suivre sur Facebook et sur LinkedIn. Et puis, si ça ne vous intéresse pas de nous suivre sur Facebook et sur LinkedIn, parce que vous aimez mieux pas avoir trop de réseaux sociaux dans votre vie, c'est correct. On a un flux RSS sur notre site web. Vous pouvez nous suivre là aussi. Et on a un nouveau calendrier de nos activités 2021 que je vous invite à visiter. mtlpy/fr/calendrier-2021.
calendrier 2021. Et il y a certaines activités qui sont peut-être sujettes à changement possible. Ça vous donne une idée de qu'est-ce qu'on a au programme pour vous cette année. Et si ça vous intéresse de vous impliquer, eh bien, faites-nous le savoir. Et puis, on va s'organiser pour vous laisser forger ces événements à la saveur qui vous plaît le plus. So, we also have a calendar for our events for 2021. The address is here. You can translate that and it's going to work just as well in English. It's going to be mtlpi.com/en/calendar2021. And you're going to see what we have in the program for you this year. Lots of events. Some are subject to possibly change because they're far in the future. And sometimes we get more ambitious than how we feel right now. And if you want to help, well, let us know because we could always use more help. And I'd like to thank our partner, FGNR. I don't know if we translate that. FGNR, une compagnie québécoise de consultation, principalement en développement web, qui nous aide en hébergeant notre 5 à 7 virtuel ce soir. On les aime beaucoup pour ça. Et bien sur ce, je pense que c'est assez d'annonces. Et puis, ça va être le temps de passer la parole à Francis Vachon. Francis Vachon, comme moi, est un grimpeur. Il aime beaucoup l'escalade. Un ingénieur physique de formation qui a fait des pipelines de données, je ne sais pas comment on traduit ça, pour Médecins sans frontières et qui est maintenant un freelancer dans le déploiement cloud. Frank Vachon, also a rock climber, is a physical engineer. I hope it's the right translation. By training. He did some data pipelines for Doctors Without Borders, and now he is a freelancer for cloud deployment. Frank, I invite you to share your screen if you do have something to share, but if not, I'm going to pass you the mic right now. Welcome. Salut tout le monde. Merci Yannick. Oui, donc moi c'est Frank. Je vais vous faire la présentation du module du mois qui est Inspect. Et j'ai une petite présentation. En fait, c'est plus... Ce sera pas long. Oui, j'ai quelque chose à présenter. Share screen. Ah, excusez, un petit écop. J'avais... OK. Voilà. Oui, donc le module Inspect... Je vais vous faire un survol rapide du module, vous expliquer un peu c'est quoi les fonctionnalités qui sont offertes. Module dont j'ai fait la traduction au cours des dernières semaines en français, ce qui m'a appris à le connaître en fait, parce qu'avant je ne connaissais pas ce module. Ensuite, on va parler de quelques cas d'utilisation là, que j'ai imaginé par rapport à ça, parce que c'est assez niche quand même comme truc, vous allez voir. Et puis à la fin, là, juste pour avoir quelque chose de concret à se mettre sous la dent, on va voir un petit exemple de code. C'est vraiment très de base, là, parce qu'on fait quand même une présentation assez rapide ici. Donc, pour commencer, oui, le module Inspect, si j'avais à le résumer très rapidement, là, ça vous permet d'avoir de la méta-information sur votre code et les objets dans votre code. Vous allez voir ce que je veux dire un peu plus précisément là, avec les fonctionnalités. Donc, ici, j'ai fait une sorte de petit schéma résumé. On peut découper le module en 5 groupes de fonctionnalités principales. Le premier groupe de fonctionnalités, ça concerne les types et les membres des objets dans votre code. Donc, ce que je veux dire par là, c'est ça vous permet d'accéder et de manipuler des choses comme les docstrings, les noms qualifiés complets pour savoir dans quel fichier et module se trouve une méthode ou un objet quelconque. Ça vous permet d'accéder directement au code source en Python qui définit votre objet, puis jouer avec les annotations, par exemple. Donc, ça, c'est un premier groupe de fonctionnalités. Ensuite, deuxième groupe qu'on a, c'est ça permet d'interagir avec tout ce qui est des applabs, donc tout ce qui définit un double underscore call en Python. Et par exemple, ça nous permet d'accéder aux signatures d'une méthode ou d'une fonction, ainsi qu'aux paramètres. Par exemple, savoir s'il y a des paramètres positionnels nommés, si l'applab accepte ou pas les paramètres arbitraires. Et vous pouvez avec ça aussi faire des copies d'un objet
et le modifier. Par exemple, permettre à un objet que vous copiez d'accepter des paramètres arbitraires alors que l'objet initial ne le permet pas, par exemple. Une troisième catégorie générale de fonctionnalités qui est offerte par le module, c'est tout ce qui a accès à la hiérarchie des objets. Vous pouvez, par exemple, retrouver la hiérarchie d'héritance d'un objet quelconque dans le code. La quatrième classe de fonctionnalités, qui, à mon avis, est peut-être celle là, qui a le plus d'intérêt de manière générale, je dirais, ça vous permet d'accéder à la pile de l'interpréteur. Donc, par exemple, moi, je suis une méthode ou une fonction et je me fais appeler. Je peux obtenir toute la pile du cadre qui a mené à cet appel-là. Ou si une exception est levée dans mon code, je peux retracer toute la pile qui a mené à cette exception-là. Donc, de manière évidente, pour tout ce qui est débogage, ça peut être extrêmement utile. Et finalement, on peut interagir avec tout ce qui est générateur et coroutine pour obtenir des détails sur leur état courant. Donc, par exemple, un générateur, on peut savoir est-ce qu'il a commencé à itérer ou non, ou est-ce que son itération est terminée. Donc, OK, c'est intéressant, mais de manière concrète, là, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme cas d'utilisation de ce module-là? En y réfléchissant, j'ai trouvé un projet sur lequel j'ai travaillé auparavant où j'aurais aimé connaître ce module. Juste pour faire une histoire courte, c'était une bébelle technologique là, qui était constituée de 5 ou 6 composantes électroniques et mécaniques qui évoluaient dans des threads séparés en Python. Et puis, pour faire le suivi et le débogage de ça, ben, on utilisait du logging très basique du module de Python. Par contre, le problème avec ça, c'est que parfois, il y avait des bugs inattendus qui pouvaient survenir. Et puis, si on n'avait pas logué des informations spécifiques nous permettant de déboguer, des fois, c'était compliqué. Il fallait modifier le log qu'on faisait. Puis, après ça, redémarrer la machine et espérer qu'elle plante de la même façon. Et des fois, ça ne se produit pas parce que les appareils mécaniques, des fois, les bugs, c'est un petit peu aléatoire. Donc, si on avait eu le module inspect, on aurait pu avoir beaucoup plus d'informations sur la pile qui a mené à une erreur quelconque, obtenir des informations sur les autres threads qui ont appelé une fonction qui a causé un bug, par exemple. Un autre cas d'utilisation, je ne sais pas si vous connaissez Django, qui est un framework web qui permet de construire des applications en Python web. Si vous construisez une application, vous la lancez, vous faites une requête dans le browser à votre serveur et il y a une erreur, Django va vous retourner une longue liste de tous les cadres qui ont mené à l'erreur et ça vous permet de déboguer pour savoir dans la structure interne de Django qu'est-ce qui a mené à l'erreur. Est-ce que c'est votre template, par exemple, que le rendering s'est pas bien fait ou est-ce que c'est une requête à votre base de données? Donc, derrière, Django utilise le module inspect pour vous donner toute cette information-là. Pour la documentation aussi, pour faire la traduction, par exemple, des documents et la documentation en Python, on utilise Sphinx. Sphinx, pour extraire les docstrings et les détails de documentation de votre code, il utilise Inspect derrière pour aller chercher ces informations-là. Et une dernière utilisation qui pourrait être intéressante, c'est par exemple si vous devez écrire un adaptateur pour utiliser du code externe. Et puis, si par exemple, le code externe ne permet pas de fournir des paramètres nommé ou positionnel arbitraire, vous pourriez vous créer un adaptateur qui ajoute cette fonctionnalité-là et qui implémente les fonctions sans avoir à toucher au code externe sur lequel vous n'avez peut-être pas de contrôle. Et voilà, donc finalement, juste pour avoir un petit aperçu de code concret sur à quoi ça ressemble le module inspect, très simplement ici, j'ai importé le module. Je me crée, c'est une classe de matplotlib, une non-uniform image. J'ai vraiment pris une classe complètement aléatoire dans le code. Je fournis cette définition de classe-là à une méthode du module inspect qui est getMRO. Donc, MRO pour le méthode resolutionOrder. Et ensuite, j'imprime le résultat de ça. Le résultat, il est ici. Et si on grossit, juste pour être sûr que tout le monde voit bien. Donc, ça me donne la hiérarchie d'héritage de cette classe-là de non-uniform image. Bon, à la racine, on voit object parce que, bien sûr, en Python, tout hérite d'object. Mais après, ce qui est intéressant dans ce cas-ci, c'est que je peux voir c'est quoi les classes de matplotlib qui se retrouvent dans la hiérarchie. Et ça me permet d'aller voir rapidement dans la documentation, par exemple, quels arguments nommés arbitraires je peux passer à ma non-uniform image pour qu'une classe parente, artiste, puisse modifier son comportement de la manière que je désire pour
obtenir un résultat spécifique. Donc voilà, j'espère que ça vous éclaire un peu sur qu'est-ce que le module Inspect et pourquoi vous pourriez l'utiliser. Je pense que c'est un outil niche, mais qui est quand même intéressant à avoir dans sa boîte à outils comme développeur en Python. Merci beaucoup, Francis. Excellente présentation. Et puis, merci d'avoir traduit la documentation de Inspect en français. Et on a le temps pour une question. Je vais laisser Duc modérer la question, trouver sur une question sur YouTube ou sur Slack. Everyone, you can ask your questions on the YouTube comments or on Slack. And don't forget to tell us in the Slack comments, what is your New Year resolution? OK. Ben, merci, Yannick. Hey, merci, Frank, pour traduire et pour venir partager ton expérience avec nous. Pour l'instant, je suis en train de regarder les questions. Je ne vois pas trop de questions. Mais moi, j'ai peut-être une question. Ou peut-être, vas-y. Parce que là, Yannick t'a présenté comme, t'es comme un physicien. Oui, bien, ingénieur physique, initialement, là, on était un peu une espèce d'hybride entre les ingénieurs et puis les physiciens un peu plus abstraits là, à l'université. Donc, c'est le bac que j'ai fait. Puis après, je suis retourné faire une maîtrise en informatique parce que j'avais envie de me recadrer un peu plus en informatique. Et dans un monde idéal, j'aimerais ça ultimement travailler, surtout avec des entreprises technologiques. Donc, j'aime bien écrire du code et faire de l'informatique. Mais c'est sûr que le côté technologique, là, plus science, reste un intérêt là, fort pour moi. Là. OK, ouais. Ben, c'est ça, juste pour que, ben, pour comme un peu. Ben, parce que là, notre événement, c'est comme plus focusé sur l'apprentissage. Est-ce que tu as des conseils à donner aux justement les gens peut-être comme toi qui ont fini comme un bac en physique ou quelque chose comme ça, mais qui aimeraient apprendre Python ou apprendre un autre langage de programmation ou quelque chose comme ça? Oui. Ben moi, en fait, j'ai fait une maîtrise. Je ne sais pas rétrospectivement si c'était vraiment nécessaire. Je pense que si je pouvais retourner 4 ans en arrière, peut-être que je ferais juste utiliser les ressources Internet. Il y a tellement de ressources intéressantes Internet pour apprendre du code. Tu vas sur YouTube, il y a vraiment des créateurs de contenu qui sont incroyables, qui permettent d'apprendre des choses spécifiques, super concrètes, très appliquées. Et il y a là son rythme aussi, il y a des créateurs de contenu qui sont plus axés pour les débutants, mais il y en a aussi qui font des choses quand même relativement avancées. Fait que je suis un gros fan de ça. Et même maintenant, après les études, je suis encore des chaînes et puis je vais voir ce qu'ils ont à démontrer là, régulièrement quand même. J'aime ça quand tu parles de ça parce que justement, on a notre chaîne YouTube. Les gens peuvent apprendre avec nous. C'était pas prévu. J'aime ça. C'est un hasard. C'est pas de manière complètement OK. Ben, en tout cas, j'ai pas d'autres questions d'ici sur Slack ni sur YouTube. Fait que je pense qu'on est bon pour passer. En tout cas, merci encore une fois, Francis. Puis on espère que te revoir pour d'autres présentations. Ouais. Certainement. Merci beaucoup, messieurs. Alors, notre prochaine présentatrice, Edith Viau, une des organisatrices de Montréal Python, une passionnée des mathématiques et artiste digitale, une des contributrices de MUTEC Montréal. Il y a quelque chose d'autre que je voulais mentionner, que j'ai oublié, ça ne devrait pas être important, parce que j'ai mentionné le plus important. Elle va nous parler d'apprendre Python, donc apprendre la programmation en utilisant Python, ou peut-être apprendre Python, on va voir, elle va nous le dire. Our next presenter, Edith. One of the Montreal Python organizers. She's a passionate of mathematics, and she's also a digital artist and one of the MUTEC Montreal contributors. And she's going to talk about learning Python. Bonsoir, Edith. Bonsoir. Est-ce qu'on m'entend bien? Parce qu'on n'a plus le temps de tester le son. T'entends? Ah, c'est vrai ça. Oui, oui. Mais moi, je t'entends très bien. Et puis, if anyone is not hearing Edith well, just comment either on YouTube or on Slack, and we're going to adjust your volumes. Edith, je te passe la parole. OK, excellent. Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à Aperçu de la programmation en Python. Donc, ce n'est pas exactement un tutoriel, c'est plus comme une démonstration de ce qui est possible de faire avec Python à un niveau très pratico-pratique. Je m'adresse aux personnes qui désirent commencer ou recommencer à programmer. Et ensemble, on va faire un programme de devinettes étape par étape.
qui va servir d'introduction à l'atelier qui aura lieu le samedi 13 mars 2021. Donc, je vais parler plus amplement de l'atelier après ma présentation. Restez avec nous. Donc, allons-y. Si on peut résumer sur mon écran, ça serait parfait. Merci. OK, donc, aperçu la préhension en Python. À quoi ça ressemble? On va créer un petit jeu de devinettes avec Python ensemble. Et la première étape, ce sera de dire, bien entendu, « Bonjour tout le monde » et on peut utiliser des emojis. Chose que j'ai faite. Donc, je vais vous présenter les outils qu'on va utiliser, mais vous voyez qu'il y a trois fenêtres sur mon écran en ce moment. La première, c'est mes diapositives. La deuxième, c'est la fenêtre de terminal, la fenêtre de le shell, le bash. Vous pouvez il peut avoir plusieurs noms, mais on va l'appeler le terminal. Et un éditeur de texte qui va me servir à donner des instructions au terminal. Mais qui va me servir à écrire des petits programmes qui vont être interprétés par Python 3 dans le terminal. C'est important de... S'il y a des gens qui sont intermédiaires avancés, qui connaissent déjà bien Python, qui voient que je fais des erreurs parce que je suis un peu stressée, merci de le mentionner dans le Slack ou dans les commentaires pour pas que j'induise les gens en erreur. Merci. Donc, avec mon instruction python3demo.py, je vais venir exécuter le fichier ici qui s'appelle demo.py. Et ça dit bonjour tout le monde et ça fait la petite main. Vous remarquez que dans mon fichier, il y a une instruction print qui apparaît pas à l'écran. En fait, print, c'est une fonction qui permet d'afficher du texte à l'écran. Ce n'est pas une imprimante. Et non, ce n'est pas une imprimante. Ça ne permet pas d'imprimer des choses sur papier. Maintenant, ça va nous permettre d'interagir, de construire le programme d'afficher du texte sur le terminal. On est content. Ce qu'on aimerait pouvoir faire aussi, c'est recevoir de l'information. On aimerait pouvoir poser des devinettes et recevoir la réponse aux devinettes. Pour recevoir de l'information de la part de l'utilisateur, donc de la personne qui joue au jeu, on utilise la fonction input. On va faire un petit test ici. Vous allez m'entendre taper. Ça va peut-être être désagréable. Je suis désolée. J'ai pas de micro extérieur en ce moment. Donc, on peut demander quel est ton nom. Je sauvegarde le fichier, sinon l'information ne se rend pas. Et là, on voit que on voit bonjour tout le monde, la petite main qui dit bonjour. Quel est ton nom? J'écris mon nom, edit. Je pèse sur Enter. Le programme se termine. Donc, ça, c'est bien beau. Notez qu'on peut recevoir du texte, des nombres, des valeurs booléennes comme true ou false. L'information est reçue sous chaîne de caractères. Ça, c'est un peu un détail pour le moment. On va pas s'attarder à ça. Ça va être plus important plus tard. Donc, maintenant, c'est bien, mais j'aimerais aussi pouvoir garder l'information en mémoire pour pouvoir la réutiliser. Par exemple, ici, j'aimerais pouvoir dire print bonjour, le nom de la personne. Pour ce faire, j'aurai besoin d'une variable. Je vais venir la placer ici. Je vais l'appeler réponse. Quel est ton nom, réponse? Bonjour, plus réponse. On va écrire comme il faut, on va mettre une majuscule. Et le plus ici, ça peut être confusant parce que c'est pas le plus de mathématiques, c'est le plus de concaténation. Ça va venir prendre le texte qui est ici, qui est une réponse, qui est un string, qui est une chaîne de caractères, qui est du texte, oui. Et ça va venir le concaténer avec le bonjour. Donc, ça vient juste les coller ensemble. Donc, maintenant, je reviens dans mon programme, je l'exécute. Bonjour tout le monde, quel est ton nom? Edit. J'ai pas sauvegardé, c'est l'erreur que j'ai faite. Maintenant, j'ai sauvegardé. Là, 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 vous avez rien vu. Quel est ton nom? Edit. Bonjour, Edit. Excellent. Donc, maintenant, je vais pouvoir interagir avec la personne qui joue au jeu. Notez que quand je dis réponse égale input, quel est ton nom? Okay, on va prendre un exemple plus simple. On va dire, si supposons que j'avais écrit x est égal à 5, c'est pas un égal mathématique, c'est un égal d'assignation. Ça veut dire que je vais prendre la variable x, qui est comme une boîte qui s'appellerait x, à laquelle on lui a donné comme étiquette x. Je vais mettre la valeur 5 à l'intérieur de la boîte. Je vais assigner la valeur 5 à la variable x. OK. Je regarde mes notes. Excellent. Maintenant, on est prêt à commencer le jeu de devinettes. Poser une question, obtenir une réponse, ça, on vient plus ou moins de le faire, donc c'est correct. On peut tout de suite
aller à quelque chose d'un peu plus complexe, on peut confirmer la réponse avec la condition « if ». Donc, on va commencer tout de suite à écrire un petit jeu de devinettes. On va oublier ça. Et on va dire « print ». Donc, la devinette que j'ai, c'est qu'est-ce qui peut faire le tour du monde tout en restant dans son coin. Bon, là, c'est un peu désagréable parce que j'ai pas mon... non, j'ai pas le... J'ai pas ce que je veux ici. Bon, bref. On va y aller avec ça pour le moment, désolé, ou on peut peut-être le... Okay. Ça, normalement, je serais supposée le décomposer en plusieurs lignes, mais pour se garder la vie plus simple ce soir, on va le laisser sur une seule ligne. Mais ce n'est pas une bonne pratique. Donc, première réponse, un petit chiot. Deuxième réponse, un timbre. Et troisième réponse, oui, j'ai commencé à zéro. Pour ceux qui suivent à la maison, un canard, coin, coin. Et maintenant, je vais vouloir demander à l'utilisateur d'entrer sa réponse, à la personne qui joue. Et maintenant, je vais utiliser if. Donc, if va prendre une condition, va vérifier si la condition est remplie. Il va exécuter du code en fonction de cette condition-là. Donc, si la réponse était 1, qui est la bonne réponse, je souhaite imprimer « bravo ». Et j'ai mis un indent de trop. L'indentation, en gros, le code qui est ici, qui est indenté de 4 espaces, va s'exécuter si et seulement si cette condition-ci est remplie. Sinon, on pourrait le laisser comme ça, puis on serait content. On peut aussi lui dire, sinon, imprime meilleure chance la prochaine fois. La prochaine. Donc, on va voir qu'est-ce que ça donne. J'ai sauvegardé, oui, c'est bon. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce qui peut faire le tour du monde en restant dans son coin? On sait que la bonne réponse, c'est un time. On va essayer, on va les essayer dans l'ordre pour voir si qu'on a bien compris. Donc, un petit chiot devrait imprimer meilleure chance la prochaine fois, à moins que j'ai fait une erreur de code. C'est ce qui se passe. Le canard, meilleure chance la prochaine fois aussi. Et le time, qui est la bonne réponse, devrait imprimer bravo. Et c'est ce qu'on a. Donc, si je vais trop vite, si vous avez des questions, je vais les prendre à la fin. Et puis, comme je disais, s'il y a des personnes dans l'audience qui ont l'habitude de Python, vous pouvez répondre aux questions au fur et à mesure dans le Slack, c'est correct aussi. OK. Maintenant, on voudrait que la personne qui joue puisse tenter sa chance plusieurs fois. On va ajouter une boucle while. Qu'est-ce que ça fait une boucle while? Une boucle while va exécuter du code, le faire quelque chose qui est ici, tant que la condition qu'on lui donne en entrée est vraie. Donc, on va venir la programmer, l'ajouter dans notre code, dans notre jeu. On va dire qu'on a 3 essais. Donc, essai est égal à 3. Et while, ou en français, tant que, mais Python, les instructions Python ne sont pas traduites en français. Donc, tant que essai est plus grand que 0, on va venir exécuter ces instructions-ci qu'on a codées précédemment. Et puis, là, il me manque, je vais décrémenter le nombre d'essais quand je n'ai pas eu la bonne réponse. Et est-ce que quelqu'un voit l'erreur qui reste à changer? On va faire le test. Moi, je l'ai fait moi-même, l'erreur, tantôt, en pratiquant. Donc, là, ce qu'on voudrait, en fait, c'est que quand on est ici, on repose la question et on refasse le loop de la boucle while. Mais il faut changer une dernière chose. Comme là, si, supposons, je change un canard, ça imprime 3 fois meilleure chance la prochaine fois et je ne suis pas plus avancée. Donc, ce que je veux, ce qu'il va me falloir faire, c'est prendre réponse input ici. Et on va venir le placer à l'intérieur de la boucle while. Et maintenant, on va faire le test. On va dire
Bon, qu'est-ce que faire à tout le monde en restant dans son coin? Un petit chou, un thym ou un canard? On va répondre un canard. Et là, ça me repose pas la question, mais ça me redemande d'entrer de l'information. Donc là, je peux faire un petit chou, puis finalement, on va dire que je l'ai, je vais répondre un thym. Bravo. Et ça me permet d'introduire une nouvelle instruction. Vous voyez que quand il répond bravo, ensuite, il continue à me demander une réponse alors que j'ai fini. On va juste mettre un petit break ici. Ça va sortir de la boucle. Ça en fait beaucoup en 15 minutes. Si vous avez suivi tout ça, vous êtes très bon. Si vous n'avez pas tout suivi, c'est pas grave, faites-vous-en pas. On va prendre le temps de répondre aux questions dans le chat par la suite. Okay. Donc, combiner les deux, c'est ce qu'on vient de faire. Ajouter plus d'une question. Okay. Je vais introduire deux concepts. Un concept qui est plus central en Python, puis un concept qui est central en programmation en général. Le concept qui est central en Python, c'est la liste. Donc, j'aimerais ça avoir posé plus qu'une question. Et puis, j'aimerais ça avoir une façon aisée de passer d'une question à l'autre. Je vais utiliser une liste pour ce faire. Et ensuite, je vais créer une fonction qui va utiliser les éléments qui sont dans ces listes pour m'éviter d'avoir à copier-coller du code. Parce qu'une chose qu'on n'aime pas en programmation, c'est copier-coller du code. Si on peut faire des fonctions, on le fait. Donc, on commence par faire les listes. Donc, ici, je vais garder les questions que j'ai en tête et je vais ajouter une nouvelle question. Donc, question. Donc, la liste apprend en Python, une liste va s'écrire avec les parenthèses carrées. Il y aura un certain nombre d'éléments à l'intérieur. On peut aussi avoir une liste de listes, chose qui va nous être utile pour les réponses des questions. Donc, commençons par la question. On a déjà la question ici, on va l'utiliser. Je vais pas la ré... Non! J'avais oublié que ça faisait ça. Désolée. Je vais la réécrire. Ça va être plus simple. Donc, on disait, qu'est-ce qui peut faire le tour du monde tout en restant dans son coin? C'est le thème, bien entendu. Et la deuxième question sera, combien de temps peut vivre une souris? Une souris. Donc, ma liste s'appelle « Question ». Le premier item à l'index 0 est « Qu'est-ce qui peut faire le tour du monde tout en restant dans son coin ?» Et le deuxième item à l'index 1 est « Combien de temps peut vivre une souris ?» Maintenant, j'aimerais savoir les réponses à ces questions. Je veux une liste. J'ai dit les parenthèses carrées. Donc, la première, c'est un petit chiot. Ensuite, la deuxième, c'est un timbre, comme tout à l'heure. Et la troisième, c'est un canard, coin, coin. Et maintenant, je vais vouloir ajouter les réponses possibles à la deuxième question. On va dire que c'est ça dépend des chats. Ensuite, 3 mois. Et tant qu'il y a du fromage. OK. Et maintenant, on veut aussi avoir une liste qui contient les bonnes réponses possibles. Donc, et 0. Donc, la réponse à la première question, c'est un thème qui a l'index 1. Et la réponse à la deuxième question, c'est ça dépend des chats qui a l'index 0. OK. Donc, ça introduit mes listes. Donc, c'est utile parce que je pourrais ajouter un nombre relativement grand de questions, mais à chaque fois, je n'ai pas besoin de dire question 1, question 2, question 3. Je n'ai pas besoin de déclarer des nouvelles variables. Je déclare ma variable une seule fois. Maintenant, création d'une fonction. Là, l'exemple que j'ai choisi, vous devriez comprendre à quoi la fonction sert. Ça se peut que j'aille un peu trop vite
pour tout bien comprendre. Mais en gros, mon idée, c'est que ici, la façon que le code est fait en ce moment, si je voulais utiliser cette partie du code-là pour chacune des questions, je devrais le copier-coller et faire print, questions, réponses, etc. Mais si je prends cette partie du code-ci et que je la place dans une fonction que j'appelle poser devinette, je vais pouvoir utiliser juste la question que je veux en ce moment, juste la réponse que je veux et une seule bonne réponse, et je vais être contente. Ça va m'éviter d'avoir à copier-coller du code. Donc, pour définir une fonction, on va utiliser le mot-clé def pour définir, ou define, je pense en anglais, original, je veux dire. On va l'appeler poser devinette. Il y en a juste une. On pose une devinette à la fois. Et en argument, ça, les arguments, c'est comme je lui passe des variables que j'ai définies ailleurs, puis je lui passe ces variables-là comme si je lui donnais des ingrédients pour sa recette. Et maintenant, je peux copier le code que j'ai utilisé un peu plus tôt. Encore une fois, je vais un peu plus vite maintenant. Si vous ne suivez pas tout, ce n'est pas la fin du monde. Donc, je vais commencer par imprimer la question, chose qui n'est plus dans le code ici. Et puis, je vais vouloir aussi imprimer les réponses. Il y a encore plusieurs réponses ici, par contre. Donc, pour itérer sur toutes les réponses, for response in réponse, je vais imprimer réponse. Ça, c'est beaucoup plus simple. C'est un des avantages de Python parce que dans le sens où on comprend relativement facilement, ce qui se passe. On prend pour chaque réponse dans la liste des réponses au pluriel, on imprime chaque réponse. Ce que je veux dire, c'est que le code se lit plus ou moins comme il s'exécute. J'ai pas besoin de faire une boucle avec des chiffres, disons. OK. Donc, for response, une réponse. Maintenant, ça ne va pas rentrer en conflit. Si réponse ici est égale à bonne réponse, on écrit bravo, puis sinon on recommence. Ça devrait fonctionner. Et puis maintenant, il me reste juste à venir itérer sur les questions. For i in range. Ici, je dois le faire parce que j'ai besoin de l'indice. Par faire, je veux dire, je ne peux pas juste écrire for question in question. Parce que j'ai besoin de l'indice i. Donc, j'utilise la fonction len qui va me donner le nombre de d'items dans la liste question. Et je vais venir poser devinette la ième question associée à la ième réponse, associée à la ième bonne réponse. Et ça devrait fonctionner. On va vérifier. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que faire le tour du monde tout en restant dans son coin? Un timbre. Combien de temps peut vivre une souris? Ça dépend des chats. Bravo! Et on peut vérifier que si on répond des mauvaises réponses, ça fonctionne aussi. Effectivement. Meilleure chance la prochaine fois. Et ça dépend des chats. Excellent. Donc, on se félicite, on est bon. Et on a réussi notre jeu de devinettes. Maintenant, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à l'atelier d'introduction à la programmation avec Python pour débutantes et débutants, qui aura lieu samedi le 13 mars 2021 à partir de 13h. Il y a plus d'informations qui vont être disponibles sur Meetup, sur le site de Montréal Python, et vous pouvez toujours nous poser des questions sur le Slack. Ceci conclut ma présentation. Merci à vous. Merci beaucoup, Edith. Et j'invite Duc à modérer notre période de questions.
C'est bon, oui. Merci beaucoup, Yannick. Merci, Edith, pour ta présentation. Là, j'ai l'air comme un peu... je pars avec toi, mais je suis en train de regarder là sur les chaînes parce que je ne peux pas ouvrir YouTube en même temps. Ben, je suis là. Mais c'est ça comme... là, attends, je pense que... Ouais, langage, OK, c'est bon. Moi, j'ai une question pour toi. Mm-hmm. J'ai vu que tu utilises un éditeur de texte. Oui. Et tu utilises le terminal. Oui. Pour rouler tes scripts Python et tout ça. As-tu essayé d'utiliser, ben, j'imagine, quand tu avais commencé, as-tu essayé d'utiliser un IDE, quelque chose? Est-ce que tu as-tu un IDE que tu peux peut-être... Oui, vas-y. Que j'étais peut-être comme quelqu'un qui commence à programmer en Python ou n'importe quel langage, peut-être ils sont peut-être plus à l'aise avec un IDE ou quelque chose. Je comprends. Étrangement, avec Python, j'ai commencé assez rapidement avec le terminal. Pourtant, je n'avais pas beaucoup d'expérience en programmation à ce moment-là. J'en ai pas tellement plus, mais quand même. Et puis, on dirait que dépasser... la petite peur du début d'être dans le terminal quand on n'est pas habitué. Après, c'est comme, OK, c'est correct, je fais Python 3, je fais le nom de mon fichier, je le roule. Voilà, c'était plus simple pour moi que de mettre en place un IDE tel quel, tout tweaker les fonctionnalités pour qu'ils utilisent le bon Python, etc. Là. Il y a peut-être des IDEs qui sont plus faciles. Je te retourne la question, est-ce qu'il y a des IDEs que tu utilises? Ben, c'est ça. Tu recommanderais pour quelqu'un qui débute? Moi, c'est ça. Au début, quand j'ai commencé, mais j'ai utilisé PyCharm, j'ai utilisé, je me souviens plus c'était quoi le nom, mais à la fin, comme on s'entend toutes que on préfère le juste un éditeur de texte et le terminal, puis il n'y a pas de surprise, puis à un moment donné, on s'entend que si on veut être un peu plus performant ou je sais pas trop, on tourne tout vers terminal, mais en tout cas, ben, je pose la question à tout le monde d'abord, si vous avez déjà utilisé un IDE ou quelque chose qui est comme très très facile à utiliser pour les gens qui commencent, ben, peut-être donnez-nous vos suggestions sur Slack ou notre YouTube channel. Sinon, j'ai peut-être j'ai une question pour toi. Laisse-moi juste aller voir. Très bien. Qu'est-ce que tu fais avec Mutec? Ah oui, c'est peut-être un peu comme flou comment Yannick l'a présenté, mais j'ai participé au Mutec et iArt Lab à titre d'artiste l'année dernière, en mars 2020. Je travaille pas en ce moment pour Mutec, etc. Là, j'ai pas d'affiliation avec Mutec en ce moment, à part que, je veux dire, on se connaît, là, mais c'est tout. OK. Ça, c'est une question de Jean-Michel, ouais, qui vient de nous poser sur le channel meeting. Bon, je pense... Ah, c'est aussi, ben, je pense que ça, c'est aussi ma question. Est-ce que tu as des sites Internet ou... peu importe pour des ressources pour nous proposer à les gens qui viennent de commencer? Ah oui, j'en ai trouvé quelques-unes. C'est sûr, il y a le classique Learn Python the Hard Way, là, apprendre le Python de la façon difficile, qui est quand même un mm-hmm. incontournable. Il y a les tutoriels officiels aussi. En cherchant des informations en français, j'en ai trouvé quelques-unes. Il y en a une d'une université en France qui a quand même un bon site d'introduction en Python. Je pourrais mettre tous ces liens-là dans Slack après la présentation. OK, c'est bon. Laisse-moi juste... OK, il y a quelqu'un qui dit « VS Code est rendu pas mal solide pour ceux qui veulent utiliser l'IDE. » Ouais, un commentaire de Duyan Do. Fait que je pense qu'on est... J'ai plus de questions, puis je vois plus de questions sur Slack. Est-ce que tu restes avec nous, Edith? Oui. Pour le volet social? Oui. C'est bon. Ben, s'il y a des gens qui veulent poser la question avec Edith plus tard,
Mais sinon, répète-nous encore la date de la formation. Le 13 mars, samedi, 13h. Puis si ça vous tente, si vous êtes déjà bien avancé en programmation avec Python et que ça vous intéresse de vous impliquer à titre de mentor, instructrice, instructeur, répondre à des questions à des gens qui participeront à l'atelier, merci de nous contacter. Et je suis aussi Edith sur le Slack, donc c'est ça, on se voit. OK, merci Edith, bonne soirée. On se reparle tantôt. C'est bon. Super, merci beaucoup Edith. Merci Duc. Et notre prochaine présentatrice, our next presenter, is live from Iowa. Elle nous arrive en direct de l'Iowa. Huyen Tran est une data scientist, une scientifique de données. J'imagine que c'est la bonne traduction. Corrigez-moi sur Slack si je me trompe. Chez Signals.ai, c'est aussi une contributrice fréquente sur towardsdatascience.com. Et elle partage avec nous des astuces de data science sur LinkedIn chaque jour. Huyen Tran is going to tell us about learning data science. She's a data scientist at signals.ai. She's a frequent contributor on towardsdatascience.com. And she also shares daily data science tips on LinkedIn. Huyen, the mic is yours. Hello, can you hear me? Very well. Awesome. Hello, everybody. Today, I want to present about how to learn data science by doing. A project-based approach to learning data science. So why it is hard to learn data science? It is hard to learn any new skill, but it is even harder to learn data science because data science is a relative new field and there are many resources to learn data science. So there is no one best curriculum for you to follow. So it is difficult to find the good learning resources. And there is also a good chance that if you are learning data science, you are also doing some other things that are not related to data science, such as, you know, going to work or going to school. So it can be difficult to set out the time to learn data science. And you might have already take many courses in data science, but you never feel that you are competent enough because you look at the job requirements and there are always more to learn. Or it may be because you forgot what you have learned after taking the courses. You might take data science courses in order to get the certificates and show off your certificates to the recruiters, to the employers. But taking courses alone will not give you a data science job because data science courses are now widely available online and they are affordable. So many people who want a data science job will also test certificates. So why should employers employ somebody who just has certificates and choose those people over the others? So if you want to get a data science job, you need to make yourself unique, you can make yourself unique by obtaining unique set of skills. And one of the way to obtain this unique set of skills is through taking projects. So why do I propose project-based learning? I think project-based learning is an effective way to learn data science because when you learn through taking project, the knowledge is more likely to stick because you learn it the hard way. Your brain is more likely to remember the knowledge that is meaningful and interesting to you. Also, taking project allow you to test your knowledge, learn relevant skills, and actually feel motivated to learn. So what do I mean by the knowledge is more likely to stick when you learn the hard way? A lot of us learn passively, such as watching education videos, reading interesting book, or, you know, if you have a test, you're gonna cram before a test.
These are form of passive learning, and we like to learn passively because they create the illusions of mastery, but you will quickly forget them. A taking project is a way of is a form of active learning because it takes more effort, and when you take more effort to learn, the knowledge is more likely to stick. An example of this is when you study for a math test. If you're just memorizing the solutions, it is easy. It's not really easy, but it takes less time than really trying to understand the solution. But the drawback of this is that you, when you are given a question that are a little bit different from the question that you study while you study for the exam, you will not be able to tackle that question because you don't understand the solution that you memorize. And also, taking project allow you to remember better because that the knowledge you learn from the project is more important to your brain. Your brain is wired to remember the knowledge that is important to you and discarding the one that is not. So this is beneficial because your brain can retain just the necessary knowledge, but it is an effect. Disadvantage if you try to force yourself to learn, but you are not interested in learning, your brain will regard it as something non-important and you forget it. So, but if you take in if you check projects, you will learn the new knowledge because you want to solve a particular problem. Because of that, your brain will consider that new knowledge as something important and remember that piece of knowledge better. By taking project, you also can test your knowledge. Learning without using the knowledge will give you a wrong expectation of your knowledge. You may think you master the skills while you do not, or you think you are not competent enough to apply for a job, even though you already are. So by taking projects, you are able to know, have a realistic expectation of what you understand and don't understand, and you can try to improve upon your weakness. So project-based learning also allow you to learn relevant skills. It is important if you try to set a goal to learn every data science skill, it is unrealistic because data science is a vast field. And it is impossible to learn everything, but it is possible for you to focus on the skills that will make up the 80% of what you will be facing. So, but how are you gonna know which skills that will take up 80% of your work? The most effective way to do this is to tackle a project. When you tackle a project, you can observe what you do the most, and you can focus on improving upon the skills and the work that you facing the most. Also, when you take project, you feel more motivated to learn. If no matter how hardworking you are, if you not interested in the subject, you just feel, you know, it's difficult to stick with the subject that you want to learn. But if you are interested in it, you will try to you will feel it's a wake up 5 a.m. in the morning, just try to tackle the problem. And that is a feeling that you want when you learn something new. So now we know the benefits of learning data science through projects. So how do we actually go about doing it? In this presentation, I propose 6 steps to do it. First, you need to start somewhere. You can now just do data science without any programming language or the basic knowledge of data science. So start with taking some basic courses and then start applying your knowledge to some project, some data science project. By the way, you might not feel ready, but do it anyway, because
that is the best way for you to retain your information, retain the new information, and expand your knowledge. So how do you get the idea to start a project? You can either start with an interesting question or an interesting data set. An interesting question can be found by looking at things around you. For example, in the past project, I heard that there is an association between amount of sunlight and depression rate, but I was not sure if that is the case. So I found some data to test my assumption. Or I talk a lot to a lot of people on LinkedIn, and I'm curious about what percent of my messages are positive, neutral, or negative. Once you have a question, search on Google for a data set that can be used to answer the question. If the data is not available, scrape one. For example, in my project that I try to find the association between amount of sunlight and depression rate, I go on Wikipedia and scrape the data using Beautiful Soup, and it's actually really easy to do it. If you have some basic knowledge in Python, it's easier than you think to scrape one. If you don't have any question, what should you do? So you can also start with an interesting data set. An interesting data set can be found in many websites. Some of them are Kaggle or Wikipedia. For example, I went on Kaggle and found data set about Amazon top 50 best-selling book. I really like to read books. So I asked myself, can I use this data to find the next book that I want to read? What attribute makes a book a best-selling book? So either you start with a question or start with an interesting data set. They both good approach, but if you start with an interesting data set, make sure you have a question to answer before exploring the data. This will help you to narrow down the approaches that you need to take to manipulate and explore the data. And because of that, because you have a clear goal, you will feel more motivated to finish the rest of the project. So once you have a big question, you want to break them into small goals and give them some deadlines. Why? Because you can feel frustrated by attempting to solve a big problem. And if no matter how hard the problem is, if you break it down into small achievable goals, the big goal can be finished. So a small goal should be able to be finished within 1 or 2 days. If you finish one goal, you will feel motivated to tackle another and tackle another. So it get you going really quick, and you don't feel frustrated, and you don't feel that you wasted time when you tackle a big project. So now you have goals. It's time for you to find the resources to answer your question. Why? Because for sure you will not have all the knowledge before tackling a project, but it is okay because you can obtain the knowledge while working with a project. So, if you have any question, a first tool is to ask Google. You can ask some really naive question and you will have some really good answer. For example, you are working with categorical data and you don't know what to do first or what to do next. You can just search on Google strategy for working with categorical data. Just pick the first article or the second article and just try it out, and you will understand the methods. Because you're constantly going back and forth between question and then solution, and then you try to use that solution to apply to your problem, you will understand the knowledge much more than study something but don't use it. And if you cannot find relevant resources on Google, you can find them through books, research paper, or as an expert.
I like book because it prepare you the basic knowledge before showing you the advanced knowledge. So you have, if you have absolutely no knowledge about a certain subject, you can start from the beginning of the book. And if you are already know some basic knowledge, you can skip the beginning and go to the section that you care about. If you are looking for more innovative methods that cannot be found through books or Google, find them through research paper. Many research paper now provide the source code for the methods that are presented in the paper. A website that I really enjoy for searching for articles with papers with code is papers with code. I really recommend you to check it out. If neither research paper or book helps you, find expert to ask. You can message an expert on LinkedIn. They would be really they would be glad to help you if you tell them what you have research on and one particular question that you want them to help with. And what if you want to get informed with new ideas that is out your domain, or get informed with new ideas before you even ask the question about that idea? So an efficient way to do this is to subscribe to useful resources, just as they, GitHub, Medium, or other platform. I like GitHub because it's a good place to discover new open source tools. A lot of process that you are doing, many other developers have also gone through the same thing. So they might find a way to optimize it. So by going to GitHub, you'll be able to find maybe some really good solution to optimize the code with minimal domain knowledge. Medium also a good resource because it recommends helpful article based on your reading interest. Medium, you can expose to really interesting articles from people from different backgrounds, because Medium make it really easy for researchers or data scientists to write an article about the subject that they're interested in. Also, my website, Data Science Simplified, I think it's a good resource, because what I did was I take note of what I found during my work as a data scientist, and then I condense them into small code snippet, and I post them once per day, and they're really short, and you can actually use them to apply to your work right away to solve your existing problem. So now you have incoming resources. It's really difficult for you to remember them all, but you can organize these learning resources so that it can be easy for you to access them in the future. The tools that I recommended to organize your articles is Pocket or GitHub Issues. So I will show you really quick here. So as you can see, I organize my articles using GitHub Issues based on the topics. So if I click one of these, you can see I write some summarization, and I can also write some code snippets. So it's, and if I want to search for command line, I will find the article about it. And for you might also start, like want to save the GitHub repositories by starring. The fallback of starring GitHub repositories is that you cannot categorize them. So a good way to categorize your GitHub repositories is to use Azure. So as you can see here, I categorize them. So for example, in the future, I want to find some tool to help me with interpret my machine learning model. I can click on this and find the tool that I found before and I think would be helpful for my for anything that is related to interpretable machine learning.
And if you want to save, I like to save the useful code snippet because it really time efficient and I can get access to them quicker than just search on Google the same thing again and again. And my favorite tool for saving code snippet is Gist. So you can see here I save a lot of them. And another one, if you are using VS Code, another good extension is VS Code Snippet Creator. So I can show you really quick here. So with VS Code Snippet Creator, you can just highlight the text, then click Control Shift B and create snippet and give it a name. For example, this is convert minute to day time. And then description is similar minute to day time. And then in the future, if you want to access to it, you can just say, okay, I want to convert minute to day time. And here you have it within your script. So it's really cool. And to sum up my presentation, I will summarize what I have covered so far. So to start, learn data science through project, start with taking one or two courses. Then to get the inspiration for your project, start with an interesting question or data. Then break the big question down into small goals to enable to finish all those goals. You can find online resources to help you, such as Google book, research paper, expert. And in the case that you want to find ideas out of your domain or the ideas that you cannot find through asking questions, you can subscribe to resources such as GitHub, Medium, or other platforms. Then once you already have the incoming resources, you can organize them using Azure or organize your articles using GitHub issues or save the code snippet using either Gist or if you're using VS Code, VS Code Snippet Creator. Then if you are ready to upgrade your skills in another domain of data science, again, take one or two courses, but this time be selective about the courses and the material that you will take in. Just take the one that you feel relevant to you and discard the rest because that is more efficient and you learn much more that way. And that's it. Thank you for listening to my presentation and let me know if you have any questions. Gam Ung Huyen. Did I say it right? Can you say again? Gam Ung? Gam Ung, yes. I was trying to say thank you in Vietnamese. My Vietnamese is terrible. I will let Duc moderate our questions, but thank you so much. Yeah. Thank you, Yannick. Thank you. How should we call you? Queen or Tran or? You can call me Queen. That's my first name and everybody okay. Call me that. So. Okay, Queen. Okay, thank you, Queen. I know that Kaku have a lot of free data that we can use to do whatever we want. But do you have another website? Which do you know another website which have where we can find some data to? I think I don't remember on the top of my head, but like what I often do to search for data is just search on Google and you know they will. I remember before I found some interesting one by going to US government data set and you can find some, you know, they said about US government weather. It's data.gov. That is a good one. Okay, cool. Thank you. And
And when did you start to learn? Why are you interested to data science and all of the this kind of? Yeah. So it's really, it was my luck. I think I attend a math conference, and then there's a speak. I didn't know what to do with my math major. I want to apply for something, but I don't want to get into biology, and you know, I don't know what to do with it. And I listened to a speaker. He was a mathematician, and he, at the time that he presented, he was a data engineer. So he said he feel really satisfied with his career as a data engineer. So after his presentation, I asked him more about it, and he shared his experience, and he shared where I can learn more about data science. And that's how I, you know, after what he said, I just find a book, practice some Python, and then after Python, I go data science. So it's going from there. I learn non-stopping. Okay, cool. And I have a question. Can you? We don't have the address of your website. Can you? Is that the way that you can share with us? So it is mathdatasimplified.com. I don't know. I can paste it on the comments. Does it work? Yeah, yeah. You can. Paste on the comment here, and we will. Yeah, or Huyen, if you want, you can paste it in the private chat in our streaming platform, and we will copy it on Slack and in. Okay. On YouTube, thank you. Thank you. Okay, and do you have the recommendation? Because I know some people use R. To do some, I don't know, but I don't know if you like you recommend R or Python to start. I guess the answer is Python, but I have a reason for Python as well, because I found that many open source tool on GitHub, they use Python, you know? So if you want to like use the new tools, and like, I feel like if you use Python, you will be more likely to be able to expose to interesting tools than using R. And I like for my team right now, I think like also a lot of team require, data science team require Python, because for my team, some team member don't know how to use Python, and we kind of ask the team member to start learning Python so that, you know, we can have the same code, like same language for across the team. So I would recommend Python. Okay. I wouldn't say that R is a bad language, but in my experience, I recommend Python. Okay, good. I have a question from Litika. It is important to have background in mathematics in order to pursue data science. I would say no. I get asked a question, even though I'm from a math background. The reason why I say no was because, so I also attempted to take some courses at my school that are really heavy on both math and machine learning, but after the course, I feel like I asked myself, what did I learn? And, you know, I feel like it's not like math is important, but you shouldn't start from math. What you should start is, you know, some basic data science concept, try to solve a problem with it, and then ask yourself, why do you use this method over the other? And you dig deeper into the math of the machine learning algorithm. So, I mean, that is the approach that I'm taking now, and I think it's really efficient because I understand much better the math behind it than, you know, learning math first and then a couple of months later try to solve a data science problem. Okay. I have another question from John Doe. Do you use Panda?
Yeah, I do use Pandas. Yeah, would you recommend it for the newbie? Yeah, absolutely. I actually provide a lot of tips on Pandas on my website because so unless you work with like a super big data, Panda is a good tool because, you know, you can manipulate your data really easily with Pandas. Okay. But yeah, I know a bit about Panda, but is there an alternative to Panda? Yeah, there's, I mean, alternative in like, so alternative in a way that you want to use it for big data or you want it to assess, to manipulate data faster. Is that why you want an alternative? Yeah, no, I mean, because for me, when I learn something, I try to, it's maybe not to maximize my time, but when I learn something, I would like to see what is the difference between two tools so I can maybe choose the right tools or something like that. Do you mind if I share my screen now? I can Go ahead. Mm-hmm. So I also, you asked you to save something that Ben Panda Relo. Oh no, not this one. Oh, QML is a good one. QDF. So the advantage of QDF is it allows you to, it kind of like almost similar to Pandas, which that is one of the plus because I don't need to learn the new syntax and it can work with the big data really efficient. Also, is Ray's, no, it's not Ray. I think H2O. I haven't tried H2O yet, but I heard a lot of people say it's a good one. Vax is I also really recommend Vax. Vax, I think, I don't know how to say it, but it's a similar syntax, can do it really quick. That's in the top of my head. There's more, but Okay, thank you really much. We have two more questions and I think we will need to leave because it's a bit late. Okay, we will go with the two questions. Panda is the okay. Can you share any resource to access Panda? I don't understand this question. Can you share any resource to access Panda? Do you mean like the Panda's documentation? Or what do you mean by assess Pandas? Yeah, I don't know too because I just read the question from our YouTube channel. But I mean, okay, maybe we can go to the next question and we can come back. Any recommendation for learning predictions method, like courses or you website? Mean machine learning? Yep. Can I recommend the book? I like books, so yeah, sure. Okay, let me share my screen again. So there's a good one called Python Machine Learning. It covers a lot of things, like it tells you the whole process of machine learning and how to do data processing, and it covers different machine learning methods. So that is a really good one. If you're into book and hands-on machine learning, this is the first book that I read after I talked to the data science engineer. I read this book and
It's like, if you know Python, you look at this book like, wow, you can actually do something like this with Python. So it's really cool. Those are the two books about machine learning that I recommend. Also, Okay. Yeah, if you're interested in feature engineering, feature engineering for machine learning. All right. I don't have any more. Unless you can try to answer the question, can you share any resources to access Panda? Do you mean to understand pandas? Yeah, I'm not sure about the question. So anyway, are you still gonna stay with us to our social meeting after that? Maybe that people can. Yes, please. He said yes, please. Okay. Okay, I would recommend my website because I actually write a lot of pandas thing here. So if you can see, there's a lot of, I actually show a lot of pandas. Also, so that is a resource that you want just to have daily update about pandas. But I also recommend books again for that. Mm-hmm. There's two books of Python for data analysis. So it shows you how to use here. There's a session called Getting Started with Pandas. And it will prepare you from the basic to the advanced. So it's pretty cool. I think like if you like go through this book, you can actually kind of feel confident about pandas. But otherwise, you can just search on Google, if you want to do a particular thing. Just search on Google on pandas. Assess the certain index of a pandas data frame, for example. It will show up and you can just follow what they show you on Stack Overflow or other websites. Okay. All right. Thank you very much, Quinn. And I hope we can see more of your work on LinkedIn or on on your website. Thank you very much. I think we will close. Yannick. thank you, Hien. Yes, we're done with the presentations part of the meeting, but the meeting is not over because we invite you all to our virtual happy hour. I'm gonna just mention a couple things and then I will join you over there. Alors oui, on a terminé avec la série de présentations captivantes. Et on n'a pas terminé par contre parce qu'on a le 5 à 7 virtuel. On n'est pas encore à 7 heures, donc ça fonctionne toujours de dire que c'est un 5 à 7 virtuel. Donc, on vous invite à vous joindre ici à pymtl-meet.fjnr.ca/event82. Le lien est dans la description de ce vidéo sur YouTube. Et on vous invite aussi à remplir notre sondage de satisfaction parce que on aime ça savoir qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce qu'on devrait faire dans nos événements futurs, quel genre de présentation vous voulez entendre. So please fill that very, very short 5 questions, maybe even less than that, survey. That's going to really help us. And I have a couple other things that I want to mention. Let me just see my notes and add this again. Okay. Thanks to FGNR, our partner, who's hosting our virtual happy hour. Thank you, guys. That's really helpful. And don't forget to follow us on social medias if you're into social medias. The links to our Facebook and LinkedIn pages are in the description of the video on YouTube. And for Montreal Python 83, Montréal Python 83, nuit minimale, le 15 février, on a déjà une présentation. Ça va être Christian Hudon qui va nous parler de profilage de code et on cherche d'autres présentateurs. Donc, si vous voulez parler à Montréal Python 83, contactez-nous, soit sur Slack, soit par courriel. Et l'adresse courriel est dans la description du canal YouTube. Je pense que c'est tout ce qu'on avait à mentionner. Duc, dernière chance.
Oui, moi, je vais juste souhaiter à nos audiences une bonne année. J'espère que ce n'est pas encore trop tard parce que là, on est juste le 11. Je pense que je suis encore dans le temps. Puis, ben, c'est ça. Puis, ça va être une année très chargée pour nous. On va avoir plein d'événements. Donc, restez avec nous, puis proposez-nous des idées et tout ça. Puis, on va essayer de répondre aux besoins ou aux désirs de tout le monde. Je te laisse traduire ça en anglais. Ouais. OK. Happy New Year, Pythonistas. We have a busy year ahead of us. Lots of great events, I hope. Mm-hmm. And we need help. So please join us for attending these events, but also join us to organizing them because it's always more fun that way. And that's it. We see you at the social meeting. Bye. All right, thank you, Yannick. Bye. Thank you, everyone.